J'ai repris mes esprits, je voudrais pousser un coup de gueule parce que je suis comme ça depuis tout à l'heure. En fait, je suis allée à la forêt avec Tiger, forêt où je ne vais jamais d'habitude. Et je savais que j'aurais pas dû aller à cette forêt, elle est mal fréquentée. Et en fait, il y avait plein de gens, j'ai croisé deux groupes en fait. Un premier groupe avec plein de chiens en muselière et d'autres qui n'étaient pas en muselière. Et les chiens lâchés, la plupart, il y en a un, il vient sur Tiger et il lui saute à la gorge. Heureusement, il avait la muselière l'autre. Hein. Et moi, truc à ne pas faire, mais je suis débile, je garde mon chien en laisse. Quand ton chien il se fait attaquer, la première des choses, c'est que tu le lâches pour lui donner déjà la chance d'esquiver ou encore mieux de se défendre. Et en fait, moi comme une idiote, je tiens mon chien en laisse alors qu'il est en train de se faire attaquer. Les autres chiens, pas en muselière, qui n'ont rien compris à la situation, qui viennent pour sauter sur mon chien. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas les gens, c'est que si vous n'êtes pas capable d'éduquer votre chien, que vous êtes négligent, vous n'avez pas su être fichu d'apprendre le rappel, une base à votre chien. Pourquoi vous prenez des chiens dangereux en fait? Vous gâchez la promenade des gens, vous nous faites chier. Mon chien, il est adorable. Je me mets sur le côté avec lui pour que vous passiez. Et non, il faut que vos chiens ils viennent sur nous et qu'ils attaquent en plus. Mais si je dis à mon chien de se défendre, mais il en fait une compote de votre chien. C'est pas un concours, je sais. Mais c'est pour dire, ça me gonfle en fait. Ça me gonfle les gens comme ça. La vérité, il faudra avoir un permis pour détenir des chiens. Tous les chiens, en fait, il faudra avoir un permis. Ça me rend malade que les gens, ils gâchent la promenade des gens comme ça parce qu'ils sont pas fichus d'avoir su faire une éducation. Moi, mon chien, jusqu'à quand je puisse plus marcher, que j'étais enceinte comme ça, je lui ai fait 2 fois par semaine le dressage. Parce que j'ai conscience que c'est un chien qui a une puissance, que c'est un chien, que ça peut être une arme entre les mains, ce chien. J'en ai conscience, moi, j'en ai conscience. Pourquoi les gens, ils n'en ont pas conscience? Pourquoi vous gâchez les promenades des gens? Pourquoi vous nous faites chier avec vos chiens méchants, chier avec vos chiens méchants que vous n'avez pas su éduquer? C'est pas la faute des chiens, c'est vous les incapables. C'est vous les sombres, j'ai envie de dire, fiottes qui n'ont pas su dresser un animal. Et ouais, ça prend du temps. Un animal, on le laisse pas tout seul dans son jardin, on le laisse pas tout seul sur un balcon, on le laisse pas tout seul à la maison. Ça s'éduque, ça se dresse. Ouais, et ouais, et ouais, et voilà, c'est la vie. En tout cas, moi, je suis fière de mon chien parce qu'il ne cherche pas les histoires. Il se défend juste quand on l'embête. Et voilà. Et en fait, moi, hier, il y avait plein de gens et tout. Enfin, franchement, dans les groupes. Et j'étais toute seule. On est en France. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai pas envie de m'embrouiller avec les gens. Les gens, ils sont capables de ça. En plus, j'étais pas armée. Armée, c'est bien grand mot. J'avais rien pour me défendre sur moi. Voilà. Franchement, j'étais saoulée. Mais quand t'as des gens que t'es seul et qui sont en groupe, ben tu fermes ta gueule en fait parce que tu sais pas de quoi les gens ils sont capables. Donc voilà, ça me gonfle et donc je sais qu'il y a des endroits où je n'irai plus promener mon chien parce que c'est trop mal fréquenté en fait. C'est malheureux mais on va éviter un drame en fait. Voilà. Tu leur dis que si tu veux t'en fais du steak haché, dis-leur, mais non, nous on fait pas du steak haché nous. Non, on est un gentil toutou si on nous emmerde pas. Hein. Oui. Mon bébé.